ici au Sport Palace d'Anvers. Alors la palme de l'originalité, eh bien, on va la donner sans doute à Romain Gazave. Il est français, il a 29 ans. Vous allez voir, eh bien, c'est une véritable fusion entre deux passions. Je ne vais pas trop vous en dire parce que c'est un petit peu original. Il y a une belle surprise dans son numéro. Il tourne souvent aux États-Unis, en Europe et au Moyen-Orient. Il est parfois directeur artistique lors de certains shows comme celui-ci. Romain Gazave, regardez bien parce que c'est pratiquement inédit. Il est arrivé ici, pas tout seul, avec, on en a déjà parlé, un objet, un ustensile, comme on peut le dire dans ce genre de spectacle. Mais celui-ci est un petit peu plus encombrant. Je vous laisse en compagnie de Romain Gazave, 29 ans. Il nous vient de France. Frankrijk komt hij. Dames en heren, Romain Gazave. Alors je ne vous raconte pas quelle concentration il doit avoir, parce que déjà de jouer un instrument c'est difficile, alors devant un public pareil c'est encore plus difficile, et quand les sauts et la performance sportive arrivent après c'est encore doublement plus difficile. Axel, très très bien exécuté, lui aussi.
Belle originalité de la part du français Romain Gazave sur le morceau Welcome de Christina Aguilera. Eh bien voilà, Sarah, peut-être un jour aussi, vous, avec un instrument de musique, non ? Ben, je suis un peu moins douée pour la musique que pour le patinage, mais qui sait, vu qu'on est dans l'originalité, pourquoi pas ? Ah ben voilà, il a osé, Romain Gazave, et ce genre de show le lui permet, tant mieux pour le spectacle original, très varié. Et à nouveau, bien sûr, beaucoup d'élégance, vous l'avez dit, Sarah. Le jeu avec le chapeau, avec le piano. Beau spectacle. Nous terminons cette première partie avec Tatiana Navka et Roman Kostomarov. Alors pour ceux qui connaissent le patinage, je ne vous fais pas vraiment les présentations, bien sûr. Ils sont champions olympiques à Turin avec la danse sur glace. On a parlé de la différence avec le patinage artistique. Double champion du monde en 2004-2005. Double champion d'Europe. Leur directeur artistique, eh bien, c'est Alexandre Zouline. C'est le mari de Tatiana Navka, toute jeune maman. Et elle est toujours bel et bien là sur la patinoire pour nous proposer, eh bien, un grand classique, c'est vrai, mais Carmen de Georges Bizet, mais il y a toujours beaucoup de magie dans ce genre de morceau. Oui, tout à fait. Et puis alors, pour les connaisseurs, c'est exactement ce programme qu'ils ont composé aux Jeux Olympiques. Donc c'est vraiment très bien de pouvoir le revoir cet après-midi sur cette glace.